Au cœur de sa stratégie d'entreprise et parmi ses actions sociétales, Canal+ initie l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je pense qu'on a tellement de femmes déjà qui sont nommées managers du jour au lendemain. C'est vrai qu'en interne, on les accompagne, mais je pense que ce genre d'action-là, de se retrouver entre femmes, de partager des expériences avec une dame qui n'a rien à voir avec Canal, peut nous apporter un plus dans notre métier. Cette année, les femmes de Canal+ Gabon ont bénéficié, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, d'un atelier sur le leadership au féminin animé par un coach gabonais de référence. L'objectif, c'était de leur donner les meilleurs outils qu'elles peuvent avoir pour développer leur leadership. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en entreprise, il y a des femmes qui peuvent faire des choses exceptionnelles, mais qui en réalité ne s'autorisent pas. Donc l'idée, c'était de pouvoir échanger avec elles autour de ces questions et leur donner les rudiments nécessaires pour qu'elles se déploient et pour qu'elles soient la meilleure version d'elles-mêmes. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui a séduit l'assistance, ravie de ce renforcement des capacités. C'est la prise de conscience que nous sommes des diamants. Une femme est un diamant, peut-être brut aujourd'hui, mais qui doit travailler à ce qu'il soit un diamant taillé, précieux. Donc de s'armer, de se former, de s'auto-former par la lecture et peut-être d'assister à des séminaires tels que celui qu'on vient d'assister là. En outre, depuis 30 ans, Canal+ a pour objectif d'offrir le meilleur de la télévision en Afrique. Aujourd'hui, Canal s'investit à renforcer son personnel féminin pour que ce dernier s'affirme et impacte la société.